des petits défauts. Bon, c'est parti pour le mode commentateur sportif avec un bel accent du sud. J'espère que vous êtes prêts pour ce petit chant de supporters de Saint-Étienne qui vont nous accompagner pendant ce combat final contre l'Energie Gante. Alors que nous sommes accompagnés par Xenocrose, Surban Sunspear et Irvine, qui sont donc nos capitaines de l'équipe et qui vont se battre contre l'équipe de Energie Gante à domicile. Restez en ligne sur le site de tf1.fr pour apprécier le contenu, évidemment. Ah, je sais pas si l'accent du sud, je vais réussir à le faire tout du long. Je vais pas le faire tout du long. Je vais faire Nelson Montfort, je crois. Allez, on va faire ça en mode Nelson Montfort. Eh oui, Thierry, alors que nous sommes dans l'antre d'une ère gigantée, Irvine est en train de courir le long de la queue du monstre. Un amplificateur d'affinité a été utilisé et désormais, il attaque. Le monstre lance son cri. Irvine a pu l'éviter grâce à sa cape du titan. Nous sommes désormais dans un combat en 1 contre 1 entre le monstre et la bête. Enfin, plutôt entre... excusez-moi Thierry, entre le chasseur et la bête. La bête est en train de se débattre pendant que Xenocrose et Irvine sont en train de l'attaquer. Mais c'est incroyable tout ce que ces joueurs français apportent. C'est tellement merveilleux. Alors que Xenocrose tape dans le vide, c'est bien triste. Irvine a rengainé son arme, Xenocrose a fait une petite attaque sautée. Incroyable. Alors qu'elle a malgré tout pris une petite attaque de queue. On voit qu'Irvine a lancé son ulti, c'est beau ça, c'est beau, les ultis de la Volto, alors que le soin est en train d'être prodigué à notre joueur blessé, Irvine. Visiblement, notre équipe s'en sort bien, alors que Xenocrose a pris un sale tacle de la part d'une ère gigantée. Quelle tristesse, j'espère que Xenocrose pourra continuer la saison dans les meilleures conditions. Alors que l'Energie Gante fait un petit coup d'aile, il se débat, il n'est pas encore tombé, hein, malgré ce qu'on pourrait penser, parce qu'effectivement Thierry, l'Energie Gante a tendance à pas mal tomber, alors qu'il a enchaîné une petite charge. Mais où est-ce que tu t'es cru? C'est pas du rugby, c'est du football! C'est du showball, mon cher Energie Gante. Irvine est en train de lancer son méga ulti trop swag de la mort qui tue, mais malheureusement je crois qu'il n'avait plus la charge du bouclier, donc son ulti n'a pas fait des dégâts de fiole, c'est bien triste. C'est un jour de deuil pour la France, en effet. Nos dégâts de fiole ne sont pas passés. Alors que Siobhan Sunspear utilise effectivement une lance. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru tout à fait? Mais est-ce que c'est une lance de soleil? Non, malheureusement. Alors que le nerf giganté est tombé. Il est tombé tout à fait, Thierry, tout à fait. Il se prend des gros coups de massue dans la gueule. Des gros coups de volto-hache. Tout le monde est en train de s'amuser sur lui. Vraiment tout le monde. Mais mon dieu, on n'a jamais vu ça! Le nerf giganté est en train d'attaquer notre reporter de l'extrême! Je ne comprends pas! Je ne comprends pas! Pourquoi attaquer Nelson Montfort? Je suis tellement sympathique pourtant! Un petit bond en avant. Il s'est encore cru dans un match de rugby. Alors que. Je pense être devenu sourd. Il n'y a plus de chance supporter. Ah voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Oh mon dieu, j'ai trouvé une plaque régénérante de nerf giganté, c'est incroyable! Je vais la donner à mon équipe. Tiens, prends une plaque d'Energie Gante. Et l'attaque continue. Très peu de défense de notre équipe de France, mais ça ne fait rien. Alors que Irvine est monté sur l'Energie Gante, est-ce que c'est réglementaire ça comme coup? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. La 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 la. Oh mon dieu, Irvine est en train d'attaquer la queue du monstre. La queue du monstre va peut-être tomber. Voyez la rotation de cette volto-hache. C'est incroyable, c'est génial. C'est pour ce genre de sport que je me lève tous les matins et que je commande des matchs sur TF1. Pas du tout pour l'argent, évidemment. Alors que Irvine va lancer son ulti. Attention, les dégâts de fiole et boum, 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 boum. Ça fait mal. Le nerf giganté titube. Peut-être qu'il va retomber de nouveau. Alors qu'il est en train de rentrer à domicile. Il est en train de rentrer dans le vestiaire. Mais est-ce que nos joueurs français vont le laisser faire? Nous voyons que Sunspear, est en train de le poursuivre du mieux qu'il peut. Allez Sunspear, tu peux le faire. Continue d'attaquer. Pour l'équipe de France, pour la Coupe du Monde. Rends-nous fiers. Bon, petit temps mort, c'est l'heure pour nos joueurs français déguiser leurs armes.
Ah, ils sont en train de jouer la montre là, ils sont en train de jouer la montre. Alors que. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont posé des bombes? Je pense pas non plus que ce soit réglementaire. Ce match me fait hérisser les cheveux, c'est incroyable. Alors que le 140p gagne nos chaumières. Nous avons beau être en 2018, il y a encore des gens qui uploadent des vidéos avec des sons aux qualités dégueulasses. Incroyable. On dirait cette jeune fille que j'ai vue dans le métro ce matin et qui passait une putain de musique de Vita avec son téléphone en haut-parleur. Parce que madame veut exister et n'a pas d'écouteur, probablement. Alors que le nerf giganté est tombé et c'est la victoire de nos joueurs français. Bravo à vous. Bravo à vous tous. Et merci pour votre participation, Thierry Roland. À vous les studios. Mais des bisous. Je sais même pas si Thierry Roland, ça existe. Bref. Un reporter de l'extrême. Hein. Et toujours un bordel. Ah, ça m'a défoncé la voix. J'espère que vous avez apprécié. Je vais essayer d'en faire un temps fort. On va voir s'il coupe le son. Si c'est copyright, les trucs de chant. C'est possible. Hein. Salut Naito, comment va? Oui, En fait, je joue la roue. Donc en gros, la roue, ça va me dire quelle arme jouer. Et dans la roue, on a une catégorie spéciale qui s'appelle reporter de l'extrême. Où en gros, on fait le journaliste. Donc ce matin, un peu plus tôt, on a fait le journaliste qui présente le 20h. Et là, on a fait le journaliste... sportif. Je voulais faire Nelson Montfort, mais je sais pas si c'était très ressemblant. Enfin bref, on s'en fout, ça m'a bien fait marrer, moi. Ça permet d'égayer un peu nos parties de Monster Hunter World, hein. Parce que bon, on n'a pas beaucoup de contenu, mais on s'amuse bien quand on fait de la merde.